Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui enfin pour le troisième épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Je suis vraiment très content les copains de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'aimerais juste tout de suite avant toute chose m'excuser et rectifier quelque chose que j'ai dit dans les précédents épisodes, puisque du coup je ne comprenais pas encore, c'est normal, hein, c'est le but du jeu. Maintenant j'ai compris, en fait en faisant les montages, et ben je comprends des choses que je n'ai pas compris sur le coup, et notamment les fameux soldats du FND, donc c'est les méchants, et en fait c'est tout simplement les soldats du dictateur Castillo, pardon. Donc voilà, tout simplement. Je pensais qu'il y avait plusieurs factions et tout, mais en fait c'est simple. Il y a les gentils, il y a les méchants. C'est un petit peu la sauce de Far Cry, comme d'habitude, mais je pensais que cette fois-ci c'était un petit peu plus complexe. Mais pas du tout. Donc voilà, c'est assez simple. Les amis, nous avons récupéré de l'uranium. On a fait comme on a pu, hein. On est parti un peu en traître. C'est très bien comme ça, on aura évité de tuer plein de gens. Du coup, on va le livrer au camp de Clara. Clara et Juan, ce sont un petit peu ceux à qui on fait confiance pour le moment, puisqu'ils sont contre cette dictature. Voilà, c'est parti les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, s'il vous plaît. Salut, Juan. C'est l'heure du bricolage, Danny. Uranium appauvri. Formidable vestige de l'enrichissement nucléaire des Ruskov dans les années 80. Les Yankees s'en servent pour les chars et les balles. Quelle bande de tarés. Ça a l'air risqué. Tu vas être une putain de super-héroïne, Danny. Lita et moi, on arrivait à en rapporter à l'orphelinat. Une lecture fondamentale quand on attend dans la boue de faire sauter un convoi. Un bon soldat doit pouvoir trouver l'inspiration n'importe où. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça. C'est un supremo. On dirait un lance-roquette. Si. Ça fait ça aussi. Autre chose. Laisse-moi te présenter. Tostador. On peut dire que ces deux engins forment un duo d'enfer. J'aime bien voir tes bricolages, Juan. Tu m'étonnes. Wouhouhouhou! On a un lance-flamme. Un supremo, c'est comme un bon coup. Ou un bon sandwich. C'est ton estomac qui parle là? En partie. Bon. Ce qui compte, c'est d'avoir plusieurs atouts. Va à l'établi, je vais te montrer. Ok, allez, direction l'établi. Les supremos, c'est pas simplement des jetons un coup d'œil à ce supremo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux supremo là? L'ingrédient spécial qui fait que la magie opère, c'est le catalyseur de supremo. Tu en auras besoin pour fabriquer tes gadgets. Choisis un gadget, Danny. T'es en sécurité ici. Y a pas balle de mauvaise réponse. Ok, en gros, ça envoie des trucs. Soit une balle de baseball ou soit une molotov. Sachant qu'on a déjà un lance-flamme. Ouais, si, c'est bien molotov, comme ça tout le monde brûle. Ah, ça marche pas. Comment ça se fait que je peux pas? Modif déjà installé dans un autre emplacement? Ah, ok, grenade à perception, dynamite. Bah, c'est encore mieux. Dynamite. Parfait. Let's go. Maintenant, on va parler à Clara. L'heure est venue de tester ce supremo. Ça marche. Et en plus, on va pouvoir le tester, mais ça, c'est vraiment que du bonheur. Elle est où, Clara? Rien ne peut t'atteindre, toi. Vous êtes beau, messieurs. Maintenant, on va parler à Clara. Mais oui. Il est largement temps d'essayer ce supremo. Oui, d'accord. Bah, il faut d'abord que tu me dises où est Clara. Ouvrez le A, très bien. Lancez le gadget équipé. Ah, mais oui, non, mais d'accord. En fait, c'est un sac. C'est un backpack, quoi. Tout simplement. Très bien. Vendeur d'armes et d'équipements de Juan propose de nouveaux articles. Ok, il vend des armes, le copain. Ok, ça marche. Ça marche. On a récupéré notre montre Hamilton, d'ailleurs. Je pense que ça va être utile. Combattez le régime pour gagner en puissance. Donc, il faut terminer des opérations, capturer des cibles militaires. On en a fait une dans le dernier épisode. Et détruire et voler du matériel, ça, on l'a fait. Ouais, également dans le dernier épisode. Très bien. On a fini le jeu dans le dernier épisode, pas du tout. Ok, Clara, elle est là-haut. Et le mode coop est désormais disponible. Lydid, si tu passes par là, avec plaisir. Alors... J'ai Clara, pour toi. Luciani, bonjour. Attends, j'aimerais lire ce papier avant que tu me donnes du boulot, s'il te plaît. L'invasion a été un échec. La perte prématurée de nos renforts aériens n'a pas aidé, mais ça a foiré dès l'instant que la marine a repéré notre navire. On n'avait même pas encore touché terre. Ah, c'est vrai qu'ils tirent à perte de vue, hein, ces salauds. Hein.
Il ne fait aucun doute que Libertad doit apprendre à se battre, mais aussi à accepter la défaite. Donc Libertad, c'est notre mouvement quoi. Toutes les batailles ne se soldent pas par une victoire et on ne peut plus se liquéfier comme c'est arrivé aujourd'hui. J'ai rêvé de papa, il ne m'a rien dit. Il ne m'a jamais adressé plus de 3 mots d'affilée, alors pourquoi serait-il soudain devenu bavard? Je le vois, il est dans le camp et il me lance un de ses regards, comme la première fois que j'ai fini en tôle pour avoir participé à une manif. Et oui, c'était une gilet jaune. Je l'emmerde. Si je rêve à nouveau de lui cette nuit, je le canarde. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour une victoire là tout de suite? T'inquiète, Clara. Ne s'entretue pas, tout ira bien. Mais oui, Clara, tout va bien se passer. Dis-moi tout! Inutile de te dire que le régime de Castillo se base sur le viviro. Il a fait construire des camps de travail dans tout Yara pour sa production. Ces plantations exploitent les parias pour faire pousser les plants de tabac destinés à devenir du viviro. Ah oui, non, c'est pas bon. On va casser tout ça, c'est parti. Ouais, let's go. Bonne chance. Merci, Clara. Du coup, nous allons tout détruire à 400 mètres. Oh, mais attendez! Me dites pas que c'est le champ qu'on avait vu dans le dernier épisode à cheval, là? Attendez, c'est possible. C'est possible. D'abord, Julio. Qu'est-ce qu'il y a, Julio? Rejoignez Julio. Qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer? Mais il est là, Julio. Hé, hey, Juan, pourquoi tu me confies toutes tes créations? Après tout, attendez, j'ai confondu Julio et Juan. On va pas aller bien loin, les copains. On va pas aller bien loin, les copains. Attendez, laissez-moi regarder sur la carte. Ah non, c'est pas ce que je croyais. Hein. C'était au bord de la route, là, il y avait ce champ-là, voilà. Je pensais que c'était ce champ-là, mais en fait, on va aller là. Très bien. Ok, bah c'est parti. C'est parti. Et évidemment, on emmerde le tabac. Oh, regardez-moi ce lance-flamme que j'ai entre les mains. Ça va être magnifique. Ah, je vais pas te faire peur. Hein. Il est temps de voir ce que ce suprême a dans le bide. Si ça chauffe trop avec les soldats, presse la détente. Il y a un tout petit truc que tu dois savoir. Dis-moi. Les suprémos sont, enfin, expérimentales. Ils ont besoin de respirer un peu entre deux utilisations, sinon ils surchauffent et peuvent te tuer. T'aurais pu me le dire avant que je me l'attache dans le dos. Allez, laisse le suprémos repaître du sang de tes ennemis. Quoi? Tu verras, Danny. Tu comprendras. Enfin, on a l'habitude. Alors, les suprémos sont des puissants dispositifs. Voilà, on va en savoir un peu plus. Donc, c'est... D'accord, ouais, donc c'est un sac à dos, mais qui envoie des trucs. Genre là, en l'occurrence, des cocktails Molotov, normalement, de ce qu'on a mis. Ok, éliminer les soldats pour recharger rapidement. D'accord, très bien. Oh putain, je sens qu'on va s'éclater, les copains. On va découvrir ça. Ça va être insane. C'est bon. Nous, faut qu'on aille là-bas. C'est parti. Par contre, là, il y a des méchants, je crois. On va faire profil bas. Bonjour. On va faire profil bas, hein. On va éviter de chercher la merde avec tout le monde. Donc c'est tous des méchants, les soldats du FND, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est pas des rebelles ou je sais pas quoi, c'est vraiment les soldats de la dictature, tout simplement. Et on les emmerde. On les emmerde complètement. Allez, on va prendre... Et vous savez quoi? On va découvrir des petits nouveaux chemins, donc on va passer par ici. Voilà, moi j'ai envie de décider. On va prendre des petits chemins, ça me paraît bien sympa. Faire gaffe, hein, pas qu'il y ait des pièges, peut-être. Doudou. Et puis, vraiment, si on pourrait récupérer des matières premières, ce serait génial aussi sur le chemin, parce que mon pistolet n'a toujours pas de silencieux et j'aurais vraiment aimé qu'il en ait un. J'aimerais vraiment réussir des phases d'infiltration prochainement, pas comme dans le dernier épisode. Magnifique. Vas-y. Bon, là, ce sera pas de l'infiltration, hein, cette mission. Hein. Vous l'aurez compris, là, ça va péter sec. Hein, avec ce fameux... alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais ce backpack assez phénoménal. Allez, on est arrivé à destination, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Nous y sommes, vas-y, reste là, bébé. Hola. Ah, mais non, mais attends, c'est bon, c'est notre copain, ça, c'est Julio. Wow, wow. C'est moi, Julio. Je sais pas qui t'es, mais... Ça va, Julio? Écoute, on va pas se mentir. Je voulais régler ça tout seul, mais Clara m'a donné un ordre. Je sais me débrouiller. J'en ai rien à foutre. Lita aussi. Et c'est elle qui aurait dû être à ta place. Et je devrais être à Miami. Mais je me retrouve ici avec toi et mes deux meilleurs amis morts. Alors, lâche-moi. Assez parlé. Primo, on cible le tabac. Deuxio, on détruit leurs réserves de gaz toxique. Tertio, on s'arrache en vitesse et Castillo reçoit un gentil petit message de Libertad. Ok? Ça me va. Prends ça. Ça te protégera du feu et surtout de cette merde de poison signée Castillo. Je t'aime pas. Je t'aime pas, Julio. T'es une merde. Ah, excuse-moi, mais je l'aime pas, lui. Gants inifugués. Équipement poignet. Ok. Il faut équiper les gants. Et comment ça marche? Eh bien, nous allons le découvrir.
dans Arsenal. Ah, voilà, nous avons nos armes. Oh, on peut inspecter l'arme. Attendez, bougez pas. Ah oui, voilà, donc ce fameux lanceur de... Donc ça lance déjà des balles de baseball, de la dynamite, et là on a ajouté... Non, on a ajouté la balle de... Enfin, on a ajouté les dynamites, ça lançait déjà des molotovs. Et on peut même... Bon là, du coup, j'ai pas la table, mais on aurait pu ajouter encore autre chose. Ça, c'est trop drôle, mais c'est trop bien. Ok, nous, on est là pour les équipements. Donc on a le masque à gaz, qui est déjà équipé. J'ai une sacrée tête avec. C'est ridicule. Les gars, dites-vous que je ressemble à ça actuellement. C'est ridicule. Là, le haut. Ah, bah tiens, on va peut-être mettre le maillot à munitions. Ce serait une bonne idée maintenant. Puisqu'on a récupéré tout ça précédemment. Pareil pour le pantalon. Les chaussures, on va mettre les bottes à munitions. Mais là, on va se faire repérer par les soldats, comme ça. Et là, on va mettre... Et ça, c'est... Attendez, notre montre. Oh, ça, c'est la classe. Et nous, c'est les gants que nous voulons. Voilà. Normalement, on a tout ce qu'il faut. Utilise la protection adaptée à chaque situation. Ça te sauvera la vie. Ça marche, Julio. Le bon outil pour le bon boulot. C'est pas la première fois que j'entends ça. Ouais, ça c'est Juan qui le disait. À ne pas confondre, hein, Juan et Julio. La nuit est... Écoute, en train de tomber. Lita était une sœur pour moi. Elle avait rien à faire sur ce putain de bateau. Elle est morte à cause de toi, Horace. Non. C'est Anton Castillo qui l'a tuée. Si je pouvais revenir en arrière, c'est moi qui mourrais sur cette plage. Jamais je lui arriverais à la cheville. Et si elle t'aimait, ça m'en dit long sur la personne que t'es. Ça suffit. Ne restons pas là. Écoute, si on doit faire ça, tu dois savoir pour les gaz toxiques. Tu parles de ce qu'ils répandent sur les feuilles ? Ça s'appelle le PG240, mais on appelle ça gaz toxique parce que ça bousille le corps. Évite d'en inhaler ou d'en avoir sur la peau. Ça peut te rendre malade ou te faire devenir complètement dingue. Et si c'est pas le cas, ça finira petit à petit par donner le cancer. Cognon. Donc, on vient de l'armée. Sniper, combat rapproché, c'est quoi ton truc ? Je suis doué avec les flingues. On s'entend bien. Il va falloir te décider. L'équipement que je t'ai donné te protégera du poison et du feu. Mais les guerriers roses doivent trouver l'équipement qui leur convient. Quelle que soit la situation. Sinon, c'est la mort assurée. C'est un bon point d'observation. Ok, je te suis. Voyons voir ce qui nous attend. Ok. Plantation Viviro New Wave. Là-haut, allez. Je te suis, Julio. À contre-cœur, mais je te suis. J'ai aucune envie de travailler avec toi, mais bon. Il me donne pas envie du tout, ce personnage. Je vous le dis, je ne l'aime pas. Je vous le dis tout de suite. Oh, c'est pour moi, ça. Tu vois le tabac pour le Viviro et les cuves de poison jaune ? Ouais. Si. Perce les réservoirs pour que le poison s'en échappe. Pour info, le feu et le poison forment un mélange explosif. Très explosif. C'est pareil pour les fumigateurs. Ils sont solides, mais ne supportent pas la chaleur. T'as un lance-flamme et t'as un Supremo. C'est l'heure de foutre en l'air toute cette connerie de Viviro. Tu sais, on avait un rituel, Lita et moi. Pour nous motiver avant le combat. Une chanson. Vas-y. El movimiento de libertad. Oh, bella ciao, bella ciao. Ciao, bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. Pour Lita. Pour Lita. Allons répandre le chaos, Danny. Allez. Allez, on y va. Je me disais, c'était un petit peu long. Et en fait, fallait juste attendre. D'ailleurs, regardez, il va bien, mon crocodile. Voilà. Ok, saboter la plantation. C'est parti, on va essayer, les amis. Notre tostador aussi, là, ça peut être pas mal. C'est parti, mon kiki. Allez. Ah. Bella ciao. Les droits d'auteur. Ciao, ciao, ciao. Allez, on fait tout fumer. Bella ciao. C'est bon, j'ai trouvé. Comme ça. Voilà. Ça, c'est épique. Juan, c'est trop de la folie, le Supremo. Ouais. Et n'oublie pas que pour le recharger, il faut buter plein de soldats. Le Supremo adore ça. Et c'est pour ça que je l'aime. Bah, vas-y, vas-y. Elle est gentille. Allez, dégagez d'ici. Non, mais oh. Bande de salopes. Je suis là.
Là. Voilà. T'as rien compris à ta vie, toi. Allez, on récupère tout ce qu'on peut récupérer, d'ailleurs. Cache DFND. Oh, bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Obtention chanson sur clé USB. On a la musique parfaite à écouter avec ses écouteurs quand on traque une cible dans les rues de la ville avec un beat encore plus puissant que des coups de feu. C'est la chanson idéale pour tabasser ou pour chasser les FND. Non mais... Ah ouais. Non mais on va peut-être se calmer avec les droits d'auteur, je vous jure. L'administration Castillo nous informe qu'un groupuscule terroriste répondant au nom de Libertad, c'est nous, a attaqué Isla San Turano dimanche matin. Cette pseudo-invasion a très mal commencé puisque leur hélicoptère a été abattu par les FND. La marine de Yara a ensuite intercepté et coulé un navire qui transportait le gros des forces terroristes au cours d'une brève canonnade unilatérale. Ces terroristes ont dû avoir une belle surprise, nous a déclaré un porte-parole des FND. Cela démontre le professionnalisme de notre armée. Le peuple de Yara peut être fier de ses hommes et femmes en uniforme. Un poste de contrôle a été établi et les FND organisent des patrouilles régulières pour localiser et éliminer d'éventuels survivants. Libertad sera bientôt d'histoire ancienne. Ça, c'est ce que tu dis, ça. C'est ce que vous dites. Attention, activité suspecte détectée au niveau du dépôt de carburant. Vol d'essence potentiel. Fouillez tous les civils. Restez vigilants en toutes circonstances. Très bien. Plein de munitions. Ça fait plaisir. Ça dégage. Voilà. Devrait se répandre. Regardez bien. Préparez à vous et du spectacle. Voilà. Eh ben c'est pas ouf. Allez, fais tout péter, on est à la fin. Yes. Encore. Ouais, c'est bon. Parfait! Danny, c'est bon. Rejoins-moi au point d'observation. J'arrive. On y va. Bon, c'était pas facile, les amis, en fait. C'est ça ce qui est dommage, c'est que. Niveau indication. Ça me rappelle quelque chose. C'est assez complexe. Mais on va s'y faire. Voilà, et puis la musique se termine, merci. Parce que c'était. En fait, c'était insupportable. Ça plus la musique. Le fait de pas tout comprendre, voilà, je suis un peu désolé pour mes temps de latence. Mais c'est bon, on a pu détruire les champs et c'est le plus important. Il n'y aura plus de tabac de la sorte. Allez, je suis avec toi, Julio. Bande d'enfoirés. Exactement, je suis bien d'accord. Et les chevaux, ils sont exprès venus pour nous, là? Dis-moi. Salut. Putain, tu te démerdes bien. Je veux pas dire, je te l'avais dit, mais... Écoute, faut qu'on bouge. On a fait un sacré bordel et ils vont voir la fumée. On forme une bonne équipe. C'est vrai. Tu sais, si ça le faisait avec Lita, ça va le faire avec moi. Merci, Danny. On se retrouve au camp. Ah, finalement, je l'aime bien. Et alors, attendez. Là, on a un atelier. J'aimerais bien, si c'était possible, si j'ai ce qu'il faut, faire mon putain de silencieux. Et c'est toujours pas possible. J'ai toujours pas de poudre à canon, mais c'est pas possible. On n'a pas de poudre à canon par ici. Bon, et alors attendez, là, le... Il est où, là, le... Ah, on peut pas utiliser un atelier classique pour faire le supremo, là. Ah, dommage. Dommage, échange de matériaux... Ouais, ça se pourrait avoir des pesos. Ok, j'en ai pas besoin. Mais s'il est là, le supremo... Ah, attendez. Supremo, et donc, attendez, j'ai encore un emplacement, et je peux mettre... Ah non, je peux pas. Je peux pas mettre les grenades à perception. Bon, c'est pas grave, je pense que ça viendra par la suite. En vrai, c'est pas ouf pour le moment, mais je pense qu'une fois que ce sera bien monté, ce sera vraiment pas mal. Je pense, il faut voir ça comme ça. Bon les amis, ce que je vous propose maintenant, enfin, c'est qu'on se promène un petit peu. Qu'on regarde un peu ce qui se passe, ce qu'on peut récupérer, des avant-postes, tout ça. Ça c'est quoi? C'est pas de la propagande ça? Une solution naturelle. Mais si, c'est totalement de la propagande ça. Ça c'est de la propagande. Mais si, mais est-ce qu'il faut casser ça ou pas? Attendez juste. Je pense pas. Attends, je viens de faire peur au cheval, là. Clara, j'espère que tu vois la fumée de là où t'es. Ça portait un sacré coup à Castillo aujourd'hui. J'espère que Julio n'a pas été trop dur envers toi. Il souffre, mais ça va. Je crois que Lita aurait le sourire en ce moment.
Danny, j'aimerais te faire rencontrer quelqu'un. Il s'appelle Benito. C'est un pêcheur local avec d'éventuels bateaux pour Libertad. Il habite à l'est de Casas Cove. C'est toujours sympa de se faire de nouveaux amis. Tu sais convaincre les gens, Danny. Tu as un don. On a besoin de Benito. Va lui parler. Attendez, c'est trop drôle parce que là, il y a un avant-poste. Et ils n'ont pas entendu les coups de feu à côté. Alors, ils ont l'air d'être que trois. Est-ce qu'il y a un... J'ai pas l'impression qu'il y ait un truc pour appeler les renforts. Est-ce qu'on y va, là, juste pour le kiff avant de chercher Benito, là? J'ai toujours pas de silencieux. Ah, j'ai récupéré des armes, des munitions. Formidable. What? Allez, vas-y! Eh les gars, il y a un chien, un chien sauvage, un loup sauvage. Mais non, il est pas à moi. Attends, il est pas à moi. Va là-bas. Ah si, il est à moi. Mais non. Attendez. Là, je comprends pas tout là. Vas-y. Est-ce qu'il va à mon point? Ah non, c'est mon crocodile, regardez. D'ailleurs, je vais le renvoyer. Il va très bien. Donc là, c'est un loup sauvage qui peut m'attaquer à tout moment et qui a attaqué celui-là. Oh. J'ai un pote, là. J'ai des potes. Bah, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors là, et le jeu me troll. Bah, c'est pas grave, on va se le... Hop, terminé. Genre, lui, il va m'attaquer, lui, par exemple. Attends, on va juste faire un test. Désolé ceux qui aiment bien les chiens, mais c'est lui qui m'attaque en premier. Non mais reste là toi. Bon, voyons voir. Là j'ai du mal à tout comprendre. Ça va le faire. Ça va le faire, mais là j'ai du mal à tout comprendre. Mais les mecs n'ont même pas besoin de moi quoi. Moi je sers à rien. Tout le monde arrive à... Bah tant mieux hein. J'ai l'impression que la résistance est quand même relativement bonne hein. Ok. Bah on va aller les rejoindre juste pour voir. Attendez, non. Mais c'est Benito en fait. Ah non, c'est pas Benito ça. Du tout. Salut. Oh, mais c'est que t'es mignonne en plus. Bon bah du coup c'est cool. Bah y'a rien à faire. Oh là, y'a plein de cadavres et tout. Y'a rien à récupérer de ouf là en vrai hein. Oh, y'a plein de cadavres emballés. Oh lolololol. Bon les amis. Les amis, on va regarder la map avant toute chose. Il faut qu'on aille ici pour aller parler donc à Benito Merguez. et puis voilà. Attendez, c'est où le poste qu'on a libéré? C'est ici. Et on peut se déplacer rapidement si on le veut. Très bien. Voilà, on est en mission. Et là, c'est là où on était. L'établi, ok. Écurie, ok. On a quand même une bonne zone, hein. On couvre quand même une bonne zone. Et là, on a une cible militaire. Capturer la base des FND. Ok. Il y a pas mal de missions en parallèle. Arsenal. Qu'est-ce qu'il nous propose là? Pour le lance-flamme, il nous propose quelque chose? Non? D'accord. Ah non, c'est juste pour dire que c'était nouveau. Très bien. Mais là, je passe pas incognito là, comme ça, avec le masque. Hein. Si je puis me permettre. On va essayer quand même, mais je vais pas passer incognito. Hein. Le carburant de la révolution. Eh bien, on va aller... On va aller suivre ça. Et on a une cible militaire, c'est celle qu'on a vue. D'accord, ok. Capturer la base du FND. Bah nous, on va continuer ça. On va aller chez Benito. Et on va faire ça, les amis, pour le prochain épisode. Non, on va y aller maintenant, parce qu'en vrai, cet épisode, il était pas fou pour le moment. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est un petit peu la galère avec ce lance-flamme et tout, là. Donc, on va y aller. On va y aller, les amis. Je vous fais une ellipse, le temps d'arriver jusque là-bas, parce que sinon, ça va être un petit peu chiant. À tout de suite. Ah, attendez, attendez. On n'a pas le droit de passer par là. Zone militaire. On essaye. On va se faire fumer hein. On va se faire fumer. Allez, direction chez Benito. À son chantier naval. Ah bah tu vois, j'ai le droit de passer. Il m'est rien arrivé. Parfait. Vas-y. Bon bah comme ça on aura découvert cette route. Donc là, on va retrouver cet ancien guérillo. Il est un chantier naval, très bien, ok. Bon, bah, on va en apprendre un petit peu plus à son sujet. Nous sommes arrivés. C'est ici.
Salut les potes. Hola. Hola. Laisse-moi deviner. C'est un coup de Clara Garcia. Nous aussi, elle nous a ferré avec ses conneries de Libertad. Elle nous a convaincus de l'aider à envahir Santuario. J'ai perdu 5 de mes gars. Et maintenant, elle me demande des bateaux et d'autres recrues. Je suis pirate avant d'être pêcheur. Ok, bref, le mec veut m'offrir une canne à pêche en échange que je bute quelqu'un. C'est un peu exagéré. Aïe, jouer les rebelles, c'est bien, mais c'est encore mieux avec une caisse digne de ce nom. Tu veux que j'en vole une? Ça me rappellera mon enfance. Tu joues dans la cour des grands, là. Si t'as besoin d'une voiture, demande-en une, un de mes amis te l'amènera. Gracias. Mais t'as aucun ami, Juan. Ferme-la et demande simplement une voiture, Dani. Oh, il est très gentil. Mais attendez, parce que là, il y a beaucoup trop de choses. Il y a trois points. Le carburant, ça, c'est ce qu'on veut voler. Ça, c'est ce qu'on veut voler aussi. Et ça, c'est aussi ce qu'on veut voler. Ouais, voilà, bah c'est d'accord, très bien. Sécuriser la base des FND. Je dois trouver de l'essence pour Benito. Et assassiner la commande Rosario. Allez. Ok. Bon, on va commencer par là-bas. Hein. Véhicule, appelez votre véhicule en utilisant le A. D'accord, ok. Bon, vous savez que moi j'aime bien voler les véhicules moi-même. Hein. D'accord, et en plus on a un coffre avec des munitions. D'accord, ok. Mais moi j'aime bien le cheval. Hein. En vrai, on est bien au cheval, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez là? Dites-moi en commentaire. Après, on variera les plaisirs. Hein. Ah, ils voulaient qu'on fasse une cascade là, c'est sûr. Alors là, il y a les méchants. T'as vu, il m'a rien fait. Il s'est méfié. Mais il m'a rien fait. On m'a dit que tu étais en route pour la province de Vencero. Ça pose problème. Fais bien attention. Là-bas, les soldats sont mieux équipés et mieux entraînés. Ah. Trouve un endroit en hauteur pour observer l'ennemi. Compris, Clara. On évite les surprises. Pour les guerriers Eros, être surpris, c'est signer son arrêt de mort. Salut. Oh, ils ont des otages. Ils ont des otages. Je leur ai fait peur. C'est trop drôle, par contre c'est très joli les amis. C'est très joli et moi je me régale, je profite là. Je suis un peu en tension avec tous ces ennemis. Mais je me régale. Allez, on est bientôt arrivé. On va prendre de la hauteur hein, comme il nous a été indiqué. Pour éviter, pour pouvoir surprendre bien sûr. Mon cheval en plus il est un petit peu passe-partout. Il paraît que tu t'occupes d'un petit problème pour Benito. Ouais, je vais rendre visite à sa pote Rosario. Fais bien attention, elle sera pas toute seule. Trouve un endroit en hauteur avant d'appuyer sur la détente. Et n'oublie pas la règle numéro 9. Utilise le bon outil pour le bon boulot. Règle numéro 10, ferme ta gueule. T'es un adulte, à toi de prendre tes décisions. Étends tes ailes et prends ton envol, petit zozio. Ah ouais, là ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors là, il y a les renforts. Là, c'est les renforts. On sait pas combien il y a de boîtiers d'alarme. Mais visiblement, il n'y en a qu'un seul. Le sniper, il vise chez moi et ça, c'est chiant. J'ai vraiment envie de réussir cette infiltration là aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va péter ça. Et on s'occupera du reste après. Je pense. Je réfléchis encore un peu. On se laisse le temps. Ok. Parce que j'ai pas. Là, j'ai pas de sniper du coup là. Ok. Par là! Non, reste là, toi. Ok. Il faudrait que j'arrive à péter le machin là. Oubliez les renforts. Ben voilà. Alors, c'est qui le boss? Personne m'a cramé. Ils ont plus de renforts, ils ont plus de caméra, ils ont plus rien. Là, je peux les défoncer. Et ben, vous savez quoi, les amis? On va essayer. On va essayer l'infiltration. Et si ça foire, eh ben c'est pas grave. Parce qu'on sera pas trop dans la merde. Donc les gars, j'espère que vous allez kiffer. J'espère que ça va bien se passer aussi. Parce que c'est toujours sympa. Nous on va descendre tranquillement là. Et puis hop, on va y aller. En mode infiltration. Attendez, là il y en a un que j'ai pas capté je crois. Ah si. Oh, ils ont cramé. Ils ont cramé. Merde, la commandante est pas là. Ok, elle est pas là la commandante, c'est pas grave, on va quand même se les faire. Faut qu'on sécurise cette base. Par contre, ils ont cramé.
qu'il n'y avait plus de système de sécurité, ils sont en alerte. Ce qui est bien dommage. Attends frérot, bouge pas, j'ai pas de sniper mais je vais quand même te niquer. Je sais pas comment, je sais pas quand, mais je vais te défoncer. Allez. Vous voulez voir une infiltration professionnelle? Je vais vous montrer les gars. Je vais vous montrer. Voilà, ça commence par là. Attends, attends, comment il a pu me voir lui? Trace de Rosario. Comment il peut me voir? Je là, arrête à chercher. Impossible. Impossible qu'il m'ait vu. Mais arrête, c'est impossible. C'est impossible. Bon attends, tu sais quoi, viens voir. Viens voir par là, c'est parfait. Ok, je suis dans la merde. J'ai pas pu déplacer son corps et ils vont le trouver. Dommage. Dommage, c'est bon, ils sont en alerte. Ah dommage, c'est dommage. Ça c'est pas facile l'infiltration hein. Bon, il y aura pas de renfort les gars et ça c'est cool. Oh putain. La commandante Rosario est pas là. Continue ma recherche. Oh putain, la grenade. Oh, ils sont chauds. Oh, ils sont chauds de ouf. En vrai, ils sont pas, ils sont forts hein, quand même. Hein. Oh putain, et c'est quoi? J'ai une idée. J'ai une idée, les gars. Regardez. Hop là. Genre, j'ai tué personne. Merde, le commandant est pas là. Je sais qu'il est pas là, le commandant. Oh, c'est un mastodonte! Mais c'est une blague! Je me disais bien qu'il était pas facile à avoir. Allez, va là-bas. Attends. Get. Get ça. Voilà. Trace de Rosario. Je continue à chercher. J'ai trop le seum les gars. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. J'ai gâché plein de mun. J'ai foiré Putain, et c'est pas facile facile hein. C'est pas facile facile. Oh là, il y a une mitrailleuse et tout. C'est stylé. Bon. La commandante Rosario est pas là. Je sais qu'elle est pas là, la commandante. Ça fait 5 fois que tu le dis, ma belle. Voyons voir, on va récupérer tout ce qu'on peut. Hop, 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 hop. Ça c'est pour nous. Ouh, oh là là. Eh, les gars. Attendez, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ah. Ah, ça me rassure. Attends, mais c'est incroyable. Oh. Bonjour. Wouah. Mais attendez, mais on est où là? On est au paradis? On est carrément au paradis? Commandante Rosario. Ah bah tiens, on la cherche. Vos ordres sont les suivants. Priver Libertad de carburant. Débusquer tous les sympathisants des guerriers. Tuer ou capturer Clara et Juan. Oh putain. Employez tous les moyens nécessaires, mais faites vite. T'inquiète, mon pote. T'inquiète, mon pote. Ouh, une petite mitraillette. Très bien, et c'est tout. Mais on a bien fait d'être venu là. On a bien fait d'être venu là, parce que là, on a... Bon, déjà, on a sécurisé une zone, et en plus de ça... Ah non, elle est pas encore sécurisée, là. Comment on fait pour la sécuriser? Faut pas casser un panneau, là? Y'avait pas une histoire comme ça? Attendez, déjà moi je récupère tout ce que je peux. Là il y a un atelier. Parce que là on est toujours en violation de propriété là. Comment on fait pour Comment on fait réserve des munitions? On peut pas? Ah on peut pas Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Attendez, il faut que je comprenne. Il faut qu'on comprenne les gars. Le carburant. Non on peut pas en fait.
On peut juste pas sécuriser. Ok. Bah c'est bien dommage. On aura fait ça pour pas grand chose. Mais du coup maintenant on a un camion. Et ça? Et ça c'est cool. Bon les amis, sans plus tarder. Zébardi ribaliba, on va à 300 mètres à la prochaine base. Oh là là, c'est lourd. Rosario est pas ici. Elle doit être à l'autre endroit. Oui oui, c'est là où je vais. Incroyable. Là, je vais me faire cramer donc. Tous les citoyens oh putain. Qui reçoivent une convocation militaire doivent se présenter au FND dans un délai de 3 jours. Ça marche. Souvenez-vous, le pays passe avant tout. Y'a personne. Interdit de fumer, ça tombe bien, je fume pas. Et en plus, non mais la déception, y'a rien à récupérer quoi. Ok. Bon allez les amis, on va se faire cette base, bordel. Est-ce qu'on va se la faire en infiltration? Je ne sais pas. Oh, on peut monter par là. Là, ça me rappelle Far Cry 3. C'est un vrai bonheur. Allez, on est arrivé. Putain, ils ont un tank. Ils ont un tank, mon pote. Dépôt des chars. Des FND. Oulala, ça rigole pas. Mais avec un peu de chance, ils ont pas de sniper. Ça doit être Rosario. Ah, Rosario. On l'a trouvé la salope. On va se la fumer. Ah. Ah. Ok. Ah, c'est pas la cache des FND ça? Je crois bien. Bon, lui on va pouvoir l'assassiner par derrière, ça c'est cool. Ah putain. Elle est où la radio? Ah putain, je l'avais pas vu lui, je crois. Il me faut le truc des renforts. Ok. Ok, ok, ok. Je crois que mon supremo peut détruire ce char. Il faut détruire le char? On peut le voler. Mais c'est carrément une bonne idée. Mais c'est carrément... Mais elle est trop intelligente. Allez, on va voler le char. On va voler le char à 100% les gars. Là c'est pas de l'infiltration qu'on va faire mon pote. C'est bien mieux. Ok, est-ce que je peux rentrer dedans vous croyez? Parce que s'il faut des clés j'ai l'air con. Ce serait magnifique. Je peux pas. C'est une putain de blague. Bon allez attaque. Attaque la commandante. Adios, connasse. C'est trop bien. Ah non, guapo. Oh putain. En plus, je l'ai vu arriver la grenade. Hein. Non. Foutez-moi la paix. Putain, j'ai pas de grenade, moi. Non, prends pas le char. Non, salope! Adieu. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé pour moi. C'est terminé pour moi. Il y a deux chars sur moi! Oh non, c'est trop. Oh non, c'est trop. Bon, en soi, je m'en fous. J'ai fait ma mission, j'ai tué la meuf. Oh! Je suis mort. Attends, ils savent plus où je suis là. Ils savent plus où je suis. Défi terminé, c'est bon. Benito, tu ne reverras plus Rosario. Merde alors, ils savent plus où je suis, c'est bon. Libertad fait bouger les choses, mais c'est loin d'être fini. Rends-toi à cette station essence et termine le travail. T'inquiète. Je crois que je les ai semés. Ouais, t'inquiète. Ils savent pas où je suis. Nous on va récupérer la cache. Poudre à canon, et bien voilà. On va enfin pouvoir avoir un silencieux sur ce putain de pistolet. Est-ce qu'on essaie de détruire les chars encore? Est-ce qu'on essaie de se mettre dans la merde? Avec plaisir, Freda.
Non, on va pas. Est-ce que je vois une mitrailleuse là? Ok. Ah, mauvaise idée. Ah. Ah. Oh. Aïe, aïe. Aïe. Attendez, c'est bon, je suis sauvé. Monte. Monte. Ce jeu, c'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Bon, allez, les amis, direction 2 km. Eh, on va s'en arrêter là pour cet épisode. C'est catastrophique. C'est catastrophique, mais on aura tué celle qu'on devait tuer. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Tu veux un câlin? Enfin, de la viande, du coup? Voilà. Bon, les amis, c'est là-dessus qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode. Mon Dieu. Dans le prochain épisode, du coup, on va sécuriser la dernière base des FND. On va trouver l'essence. Et puis, voilà. Oh, mon Dieu. C'était phénoménal. Hein. J'espère qu'on va mieux s'en sortir, hein, vraiment, dans le prochain épisode. Je compte là-dessus. J'espère, en tout cas, que vous avez kiffé celui-ci. Oh, la vue qu'on a. Là, on est dans un petit village assez safe. C'est trop joli. C'est vraiment très joli. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Et à demain, 16h. Ciao tout le monde, n'oubliez pas le pouce bleu.